Et... Putain, c'est marrant, ça a planté à midi pile poil. Hein. Oh, c'est faire, ils ont dû appuyer sur le bouton mise à jour, ces connards. C'est marrant ça que c'est planté à midi pile poil. Mais du coup, je disais, ouais, je sais pas si t'as moyen pour les waypoints. Après, là, on est avec un mode de merde. Hein. Oh, tu me diras, avec ce mode de merde, tu vois même pas les waypoints d'ailleurs, mais. Ou alors, attends, il est en bas? Il est en haut? T'as chance à avoir mis un waypoint, hein, quand même. Bref. Bon, j'espère que ça part que la VOD, ça va être chiant à chaque fois que je cote la VOD, genre parce que le truc ça déconne 3 secondes quoi. Après, est-ce que je les record de mon côté des VOD en fait et que je les upload quoi? Bon, c'est chiant après, mais. Ah bah, ça c'est bon. Atomic Alloy, c'est automatisé ou pas? Hein? Ouais. Ah ouais, vu que ça arrive à midi pile, je pense qu'il y a moyen que ce soit une mage, un truc comme ça, genre que c'est planté 2 secondes. C'est quoi, Cinefox, hey, toi? Oh, j'ai toutes les gemstones sauf l'initianium, sérieux? Mais c'est marrant parce que ça, l'onisanium, ça fait directement comme ça. Alors que normalement. Ah oui, non, ok. Je pensais qu'il fallait upgrade de gemstone en gemstone, pas besoin. Allez, je nous manquais le conductive iron. Machin prout mouche. Donc attends, c'est copper silicon. Copper silicon. On va utiliser le vieux en vrai. Et après, c'est iron redstone. Je vais en faire un mini-stack. Vraiment pour les graines et tout, plus tard s'il faut chausser les graines, j'aurai ce qu'il faut. Il y a 2 ED, oh FF hein. Bon, je les mettrai en partie 1, partie 2 sur YouTube, tant pis, hein, fuck it, hein. Ah, mais rentre, c'est con. Hop, y a pas une quête pour ça normalement? Ah si, faut faire des poudres à la con. Hein. Superbe. Hein. Ah, faut du riche lag. Hein. Bah un peu s'il m'en faut la chier. S'il m'en faut 3 stacks pour la quête. Pourquoi il me demande ça? Parce que oui, il m'en faut pour les coffres ou genre de trucs pour la suite quoi, mais m'en faut juste pour le chest en plus. Bon, après le chest à la base de différents crafts, mais même. Je voulais juste la fiche de Force Stone de base. Après, des minerais, j'en ai plein. Ça, c'est l'avantage. D'un côté, en plus, je peux booster avec les augmentes la sortie des trucs comme ça, là. Je vois c'est lequel qui a le meilleur pourcentage, mais il y en a plein qui sont à 20%. J'ai pas l'impression d'avoir vu plus.
En vrai, je prends un sein de débris, je me fais pas chier, y a besoin de rien. Hein. Ancien débris, on le met tout seul et puis boum boum. Hein. J'en ai une chier d'ancien débris en plus. Du coup, me faut un induction smelter. C'est bien parce que le mec c'est boostable. Hein. Sauf qu'il n'y a plus les upgrades pour booster. Un peu con quand même. Ouais, je veux bien que ce soit boostable, mais. On prend les trucs là. Ah, il n'y a pas les trucs en plus. Hein. Telle augmente que t'as, c'est ça? Y'a rien qui booste en fait la sortie. Ah, que dalle, hein. Mais c'est pas que ça s'appelle pas secondary output ou autre, c'est qu'en fait en thermal y'a 3/4 des augments qui sont plus là. Donc alors soit c'est fait exprès, soit je sais pas. T'as même pas les augments de base pour upgrade les machines en fait, donc. Donc on biche quoi. Oui, je vais le mettre là de toute façon que je peux utiliser pour l'automatiser. Hop. Et on a dit ancien débris. Pressé, mon pote. Hein. Bon, x16, ça commence à perdre de l'énergie, ok. Bon, oh, bah, je boostais x16 quelques fois, puis let's go. Hein. On aura nos trois petits stacks. Hein. Attends que ça remonte un peu en énergie, par contre. Ouais, ça en a déjà fait 30. Par contre, j'aurais pas assez, si. Après, est-ce que je peux booster ça? Je code là. Après, d'un côté, si je lui mets l'augmente qui fait qu'il y a plus d'énergie à l'intérieur, je peux booster plus longtemps. Et ouais, mon pote. Putain, tu en mets qu'un, quoi. Brenner avec le coup. Ah mais du coup mais en x16. Peut-être rajouter dans son abri du coup. Non, tu peux pas espace clic avec Refine. Hein. Ouais, ça va, hein, vu qu'il nous en faut 3 stacks. Hein. Ça va aller vite. Hein. On aura déglingué un peu le sac, mais ça va. J'ai l'impression qu'il stocke le temps moins rapidement que la Time Bottle. No joke, hein, les secondes, elles sont très longues. C'était PSEA ça? On est bien, hein? On a de la marge avant d'être niqué, hein? On a 8 ms, faut qu'on dépasse les 50 pour commencer à baisser en TPS.
Bon gold, t'es mignon coco hein. Tu veux aller à la poubelle? Electrum, c'est me shit hein. Reste pour l'instant je plante tout parce que j'ai pas encore beaucoup de graines. Ah y'a que l'invar en vrai que je peux filtrer aussi. Voilà, ça suffira. Merde, j'ai déjà filtré. Hop. Bon, je vais après le surplus de graines, je vais commencer la vidéo aussi pour le reste. Hein. Là, je commence à un peu tout là. Comment ça vient produire? Bon, le team ne se produit pas des masses pour l'instant, mais. Tout le monde, je peux mille bon. Moi j'avais souvenir que c'était craftable en grosse quantité ça. Genre par stack ou autre, je sais plus. C'est pas l'unité. Bon. Peut-être le graph qui est modifié après, hein. Par 40, ouais, peut-être, je sais plus. Là, par contre, un random reward pour la Field of Person, ça fait mal au cul, hein. Tu vas me taper un FIFA Fish. Un peu Furfish en récompense pour ça, là. Ça fait mal au delch. Sane. 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 Y'a combien de chaînes sur? U? Ce serait pas l'heure de faire des openings. Attends, je crois qu'on peut se faire chier en faire ça. Hop. Voilà. Tac. Merde. Bébé. Je préfère la Dicey, si. Mais je pourrais la faire tout de suite, en vrai j'en ai pas trop besoin pour l'instant. J'en ai pas trop besoin. Non, ouais, pour l'instant ça marche bien, c'est cool. Quand on a toujours ce truc de minerai à côté là. Ouais, je pourrais tout miner du Digital Miner, mais. Ah, oh, mais il y a le château de la Liche là-bas, là! Que pour l'instant, il essaie de faire ça un peu loin des structures, pas envie de tout déglinguer quand même. Mais tiens, je suis pourri. Quoi c'est que cette merde, hein? Ça continue à avancer ou? Ah ouais. Oh, ça va prendre 3 siècles à se faire ça. Ah mais ça marche pas dans l'eau. Chet. C'est fini? A l'air. Et bah bien nul à chier, et donc?
C'est ça qui a encore les buckets à côté là. On pourra s'en faire deux encore derrière. Ah putain, mais ça on l'a eu la dernière fois. Oh scam, hein. On va y aller, hein. En attendant. Bâtard. Pas fini les conneries, hein. Mais il se passe rien là? Non? Ah si! Oh merde! Oh, oh ça va, je me suis mis loin du château, putain! Qu'est-ce qu'il nous fait? Un village? Bon, ça bouffe un peu plus de TPS quand même, mais. Hein. Mais ça va, ouais, un petit village, hein. Petit. Je pense que c'est des chemins qu'il y a au milieu qui sont pas générés encore. Odeim. Ah, ça se fait vite en vrai. Crois qu'il traite dedans, mais je crois bien, hein. Par contre, du coup, il n'y a pas l'air d'avoir les chemins. En fait, je pense que les chemins, enfin, c'est pas des chemins de. Enfin, ouais, je sais pas, c'est bizarre. Vu que c'est fait au-dessus du vide. D'où? Venez? C'est vraiment Main Colony pour aller aussi vite. Hein. En vrai, j'ai jamais fait de truc encore avec Main Colony et pourtant, c'est genre le truc que j'aime trop. Moi, genre, je farme des ressources et puis ça build pour toi. Enfin, tu sais, un peu les trucs entre guillemets de gestion comme ça. Je crois que t'as des packs qui tournent autour de Main Colony. Après, ouais, je pense que ça doit être vite répétitif, mais. Ah, ça refait des tours, je crois, non? Ouais. Crois qu'on a le droit à une nouvelle tour de minerai, là. T'as quand même une petite idée sur l'absence de chemin? Quoi, la ID dépasse? Ouais bah rien de bien foufou en vrai dans les gros chiens là. Rien de bien foufou. Ouais comme dit je pense j'ai commencé à les mettre là-dedans là ces graines là. Bon, ça va avoir un beau petit champ. Ce qu'en 1.16 c'était Grass Pass et en 1.17 ça a été renommé Dirt Pass. Mais le mec a oublié de changer ses blocs dans ses structures. Ah bravo! Bah, le date. Bon, bah ça c'est nickel. Hein. En vrai, cette plateforme là, elle est juste pour les fusées. Miam, hein. Pas égal, hein. Ça c'est tout ce qui sera automatisation, mais pour l'instant il y a le temps encore. Enfin, je sais pas, à la limite, j'en ferai autre chose, ça. Mais je pense qu'on va aller faire par là-bas la plateforme pour les réacteurs, là. Mister? Ah, celui qui fait boum boum.
Et où du con? Bien de la merde. Mais j'ai oublié de faire ça pour commencer. Oui, je voulais faire un acteur aussi petit en fait pour le début. C'est quand même bien de la merde leur truc là. Le but c'est quand même que ça me crame un peu d'Ilorium quoi. Parce qu'en fait de base, maintenant, avec les petites casings, tu peux faire du 5 par 5. Maximum de maximum. Et avec les Rinforced, tu peux aller jusqu'à 256 blocs. C'est un peu gros, mais. Dégage ça. Les Rinforced, faut quoi, hein? Non, mais je peux déjà les faire en plus. Enfin, je veux dire, c'est du graphite et du style, quoi, donc. Le truc, c'est qu'il faut tout faire en Rainforest, quoi. Il faut la Rainforest full run. Je pense pas qu'on va faire un gros truc pour le début. On va faire en Rainforest quand même, mais je pense qu'on va faire un petit 7 par 7. Petit truc classique. Pas un trop gros, genre. En fait, le truc c'est que mon premier réacteur, ça va pas être le réacteur qui va me produire la blinde. Mon premier réacteur, le but, c'est de faire du plutonium. Bon, bien évidemment qu'à la fin du pack, on essaiera de faire un 256 par 256 si on peut, hein. Mais là, pour l'instant, mon but c'est d'avoir du plutonium que j'ai transformé, enfin du cyanide que j'ai transformé en plutonium que j'ai transformé après en ludicrite. Tant ludicrite, je peux le faire directement après, je crois. Ouais, c'est ça. Ludicrite qui me servira déjà à faire la graine et qui me sert à faire 2-3 petits trucs à gauche à droite aussi. De toute façon, en fait, le but c'est de faire un peu toutes les graines, hein, toutes les différentes choses. Donc il me faut des blocs de ludicrite aussi après pour ça. Et que les blocs de ludicrite me servent à faire pousser mes graines de ludicrite. Hein. Mais ensuite, après, une partie du butonium, je vais le convertir aussi en verdarium. Et pour ça, il faut que je fasse le fluidizer. Et ça va, ça coûte que dalle à faire apparemment. Enfin, c'est un multibloc, hein. En tout cas, le contrôleur coûte pas très cher. Hein. Après le verdarium, attends, autant que je le fasse en. Ah, mais ça fait du liquide quoi qu'il arrive en fait. Et après ce verdarium là, j'utilise pour alimenter mon prochain réacteur. Ouais. Et grâce à ça, je produis de la rosinite. Et cette rosinite, je m'en sers avec de la bénitoite que je mets dans le nether. Je m'en sers pour faire. Il y a de l'inanite aussi. On a ridiculite, tu l'as comment? Ok, c'est de l'inanite que tu modifies. Oh putain. Et la magentite, tu l'as comment? Mais attends, mais l'inanite, t'es obligé de l'avoir comme ça? Ah, donc faut que je fasse aussi un réacteur au. Au butonium? Sur longue? Attends, mais du coup, il me faut trois réacteurs! Enfin, de base, il m'en faudra un. Après, il m'en faut un deuxième que je fais au butonium. Et butonium, de toute façon, il y a une graine.
Absolument pas, mon pote. Ouais. So long. Et Cyanide, il y a une gun. Oui, il y a une gun de Cyanide, donc ça revient même. Puisque je le reprocesse avant, quoi. Ouais, c'est dans ma tête, là, ça fait bobo, là. Parce que l'inanite, j'en ai besoin, en fait. C'est ce qui me fait à faire l'insanite. Putain, mais l'insanite, tu peux la skip avec la bénitoite. Donc l'inanite me sert à rien. En fait. Ah oui. Donc en fait, on s'en bat les couilles. Et la ridiculite, elle me sert à rien. On s'en bat les couilles. Attends, si l'inanite et la ridiculite me servent à rien, l'insanite, je peux la skip directos avec la rosinite. Peut-être avec le verdarium. Mais il me faut de la bénitoite. Mais bénitoite, je pense que ça se met une tranquille ou non? Attends, c'est juste pour le test, voir combien on a de bénitoite. Hein. Si c'est le moyen d'avoir de la bénitoite, hein, c'est le nada. Il m'en faut pas non plus une chier, hein, l'insanite. Hein. On faut un peu, quoi. Mais est-ce que le Digital Miner, il en trouve déjà? T'inquiète, il sera sur Cube Révolution. Oui! Oui! La question, c'est quand est-ce que ce sera? Pas tout de suite. Tenir que ça n'a pas de taxe cette merde. Ah mais ouais, j'en trouve un dans la citote, je mine et puis je fous dedans quoi, pas sur chien. Bon, faut que j'en trouve, mais. Ça se trouve, je pense. Un truc vert. Pour ça. Voilà. Voilà, il est trop loin, quoi. Ah oui, chill. Par contre, du coup, faudra pas le prendre à 7 touch, je pense. Attends, hors 7 touch, ça donne combien ça? Ouais, sans 7 touch, il faudrait que je le fortune quoi. Parce que là, y a aucune machine qui le traite. Non, mais je sais qu'il y a pas d'énergie, mais. Faudrait que ça en mine 40 non plus quoi. Ouais, ok, donc faut 7 touch quoi. Comme ça, on aura un peu béni toi, mais parce qu'en vrai, il m'en faut quand même 16 après, hein. Et l'anglésite, elle sert à quoi? Faire du tangérium. Et tangérium, ça sert à quoi? À faire du réfrigérateur, là. Réfrigérateur, il sert à quoi? À réfrigérer le réacteur, c'est ça? Ah, parce qu'après, je mets quoi en refroidissement? Je crois qu'il y a la liste. Ça, c'est le réactant. Ok. Le bouquin, je crois pas qu'il y a la liste. On avait déjà check. C'est le réactant, ça, on s'en bat les couilles. Aïe. 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 Non, ouais, non, je vois. C'est les orchidocs, ça y est pas, hein. Pas déjà bien ça.
On verra plus tard, on n'y est pas encore à faire ça. Donc. Toujours passé dans Daisy. Après, attends, du riz, j'en ai plein, non? Ouais, suffisant, ça, je pense, pour la plateforme après. Là, ça avant le petit déj. Oh! Un peu tard pour le petit déj. Quelle taille pour l'instant pour le ça? Vu que je sais pas quelle taille ça fait le processeur. Ok. Et l'autre là? Ok. Après, s'il va me falloir plusieurs processeurs parce qu'il faut que je reprocesse le cyanide en plutonium. Le plutonium en ludicrite. Hein. Après, il lui dit que je vais avoir la graine, non? Cyanide, je vais avoir la graine, non? Et plutonium, j'ai pas la graine, non? Non, mais je pense que je fais un seul reprocesseur, puis je reprocesse genre un stack en un truc et puis un machin en un autre. Mais après, je crois qu'il faut des liquides pour faire. Attends, la ludicrite, il faut du liquide pour la ludicrite ou pas? Il faut du cyanide à côté. Et ça, il faut de l'eau. Ouais, donc vaut mieux faire un reprocesseur par machin qu'on va vouloir faire. Ah, plus simple, mais on fera une ligne de reprocesseur au pire. Hein. Parce que ça a l'air ridicule, étant donné qu'on n'avait pas besoin. Et du coup, on pourrait un troisième pour faire la. Ça là. Il faudrait trois reprocesseurs, quoi, idéalement. Bon, au début, on va faire deux, parce que la rossinite, on a le temps d'avoir, mais. Juste que je vois par rapport à la taille de la plateforme. Après, un truc de 3x3, tu vois, t'en aligne facilement, quoi, c'est pas le souci. Je peux en mettre 3 côte à côte avec la machine 5x5 à côté quoi. Et les réacteurs en face quoi. Mais. Ou alors on se fait une giga plateforme pour les réacteurs. Non, au pire on agrandira après, c'est pas grave, on verra. Pour l'instant on va déjà voir en posant les trucs mais. Mais on peut en effet en faire une plus grande. Hein. Je sais à combien là? Une giga plateforme. Hein. Bah, le truc c'est qu'on va sûrement faire plusieurs réacteurs et sûrement des giga réacteurs donc autant avoir la place quoi. Pour moi, ce serait pas déconnant d'avoir une big plateforme quoi. J'ai juste à aller rechercher la Blackstone du coup parce que sinon ça va être un petit peu ricrac. Il ma wand. Elle est dans la wand. Ouais. Par contre, je sais pas, je vais la faire combien en longueur parce que là, en fait, sinon j'en fais une large. On peut faire des réacteurs rectangulaires aussi. Hein. Bon là on a le truc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Mais tiens qu'on est comment? On va faire ça. Vu que le mode a une réforme, les turbines aussi ont dû un peu changer. I guess.
Ah ouais, par contre, il y a sûrement plus de coils en inducteur aussi, parce qu'avant ça allait jusqu'à la ludicrite, je crois. Maintenant, avec tous les nouveaux blocs là. C'est quoi en bloc? Je pense que même Insanity et tout, tu vois. Ouais, c'est ça, coil inside turbine. Ouais, je pense que si tu utilises une Insanity dans la turbine, je pense que. Maman. C'est des Gucci. Après, tu l'as alimenté avec quoi la turbine? C'est de la vapeur, donc tu mets dedans. Putain, on n'a pas fini la plateforme. Mip. C'était un petit problème dans des items, je le dis. Parce que là pour l'instant on fait une giga plateforme, il va y avoir trois pauvres trucs qui vont faire trois blocs de large là. Après les waypoints tu peux les delete au pire, Jericho. Quand tu ouvres la carte, après tu peux très bien faire un clic droit sur un waypoint, t'as le supprimé, mais. Ça résout pas trop le problème, on va dire. Enfin. Je vais se faire une turbine pour tester. Ah oui, non, mais testera sûrement. Ah, j'ai déjà plus dans des hits là. Eh oh, so long, hein. Il me reste de la durite ou pas hein? Pas beaucoup. On va faire de 6 réacteurs là-dessus. Mama. Pour mettre un petit réacteur de clodo de 7 par 7 au début. Je pense que le petit réacteur de clodo on va le mettre là en vrai. On va se mettre ça, on peut le décaler un peu des bords, on a de la marge. On va se mettre ça là comme ça. Et combien t'as? Se mettre ça là quoi. Mais ça va me coûter cher quand même, après en ressources on va en faire un plus grand pour le début donc. Il va se sentir seul le pauvre. Hein. Par contre, niveau éclairage, il y a des méga torches là-dessus. Ou une magnum torche. Ou une interdiction torche. Un truc quoi. Non, mais interdiction torche ça empêche les mobs de s'approcher mais ça les empêche pas de spawn. Après, il y a torche Shurino. Mais so long. Un truc on s'est cliqué pour, tu l'as vu la dernière fois, ah ouais? Beau souvenir. Hein. Oh la ref. Centré mon truc au moins? Ouais. Yeah. Bon, on sait combien de torches là. Ça me paraît bien. Là, ça me paraît bien.
Et qu'optimise au max, et... En vrai, Osef, hein. YOLO. Hein. Hop. 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 À la zab. Parfait. T'as quand même besoin de tellement moins de torches maintenant pour éclairer, c'est un délire. Hein. Le problème, c'est que si tu fais vraiment l'éclairage le plus pixel possible, hein, dès que tu poses un bloc, une machine ou quoi, ça te nique tout. Parce que ça empêche la lumière un peu de passer et forcément, ça rerend le spawn possible. Il va falloir plein de trucs là, du coup, attends. Le problème c'est que pour la quête, faut quand même que je fasse les trucs basiques. Les trucs basiques, je pense pas pouvoir les upgrade en Reinforced. Pourquoi qu'on voulait la mage en titre? Ah mais mage en titre, on a dit que c'était aux F-tier du coup. C'était pour faire la truc muche là, ouais. Là on ouvre juste un Illyrium, une cyanite. Cyanite on consomme plutonium, plutonium on le mélange avec le Illyrium, on fait du verdérium, verdérium on en fait du coup du rosinite. Et la rosinite on en fait du cyanite. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Soit dit en passant. Je vais quand même faire les trucs pour les quêtes. Viteuf. Pas grave, ça finira la poubelle. Que même les casings de base, tu les upgrades pas après, hein, en casing renforcé. Ah si! Mais le verre de base, tu upgrades pas en verre renforcé. Non, par contre, tout ce que tu fais, tu peux les transformer en casing. Ce qui est pas mal, ça. Bien vu. Attends, je vais virer ça parce que le bruit de... Oh, je peux pas dormir avec cette merde. Mais du sédiment. Parce qu'il faut du sable sinon. Ça fait quand même une pub dans les points de chaîne, ça fait qu'on met la pub pendant une minute. Voilà. C'est tout. C'est tout. Rien de plus. Le bouton qui commence à prendre un peu la poussière, ça je clique jamais dessus en plus. Je pense jamais à mettre des pubs. Le truc c'est que les pubs c'est chiant à mettre sur Minecraft parce que c'est toujours mon... enfin c'est rare en fait qu'il se passe rien pendant tu vois genre 2-3 minutes en fait tu vois. C'est juste les pubs Twitch, ouais, les pubs random, c'est juste parce que tu fais du LOL, tu fais ce genre de truc, pire tu peux mettre des pubs entre les games tu vois. Et sur Minecraft à part, si tu fais une pause pipi ou quoi. Après quand on fera du Holy Cube, les lives seront plus longs donc il y aura plus, je serai plus à même de faire une petite pause au milieu du live et de mettre une petite pause pub. C'est Quentin, ça va être un... Quoi différent entre les deux? Mis la quête? Yay! On recycle. Ah! Fuelrod ne veut pas. Marrant ça. Attends que c'est pas les mêmes Fuelrod que celles qu'on a utilisées tout à l'heure en plus, donc c'est long. Hein. Ma pack est en quelle version? Il est en 1.20.4. Après les Reinforced, je peux directement les faire tel quel, donc je peux me faire chier. Juste là, je vais j'en profiter pour déjà les upgrades. Hein.
Voilà. Ici, il va nous falloir un contrôleur, des vitres, des rods. Le fuel, ça sera pour le liquide. Le fuel, ça sera quand on mettra du verdarium. Mais là, pour le hilarium, il est solide. Donc en fait, je mets directement ça dans le solid access port. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Enfin, pour plus tard, mais là, pour l'instant, OZEF. Comme les passives et actives Forge Energy Power Tap, bon. Kizaku. Attends, parce qu'il y a trop de trucs avec énergie dans le nom là, c'est à partir de quoi tu te branches pour ressortir ton énergie dans ce merdier là? Qui c'est que cette merde? Ouais, c'est le power tap, mais pourquoi il y a un passif et un actif? Pas ma grande question. Bon, je vais automatiser les basiques, genre les vitres, les rods. Sais pas c'est quoi la diff avec l'autre. Ils t'en disent pas plus en fait. Ah ok, en fait bah si, c'est qu'en gros faut l'activer avec de la redstone par exemple, j'en sais rien, et en fait actif c'est juste ça fait tout seul quoi. En fait on voit tout en actif parce que passif on s'en bat les couilles quoi genre. Ok. Du coup bah j'automatise l'actif. Ça me trigger le truc avec le bouquin à côté là. J'ai fait le contrôleur? Non. D'ailleurs, j'en profite pour automatiser le comparateur. Le charging port, c'est pareil, ça sert à quoi lui? Ah c'est du coup tu utilises son réacteur pour charger des items. Hein. Ok. Deux tiers. Et le trailer pour Anno 117? Absolument pas! Absolument pas. Ah putain, mais même si c'est obligatoire ou pas en fait, tu vois. En fait, c'est pour automatiser, en fait, c'est pour rentrer du refroidissement et tout supplémentaire, mais bon. Ah mais attends. Attends, j'ai peur d'un truc. Si maintenant t'as quelque chose pour rentrer le refroidissement. Est-ce que tu dois encore le mettre dans le réacteur du coup? Quand tu le build. Ou est-ce qu'il faut foutre des rods partout? C'est pas clair ça.
Ah mais non, en fait, ok. C'est les trucs de fuite et tout, le coolant, etc. C'est quand tu veux faire de la vapeur. C'est quand tu veux faire des réacteurs à vapeur, en fait. Pour vaporiser les trucs et tout, donc en fait, on s'en fout. Donc ça, on n'en a pas besoin. Automatiser quoi là-dedans, quoi, là? J'ai pas automatisé le truc pour rentrer. Parce que solid access il me le faut. Et le fuel injection il me le faut. Faut les deux. Ça c'est pour rentrer après en fait tout ce qui est cyanide et tout le bazar quand ce sera liquide. Enfin plutôt le verdarium là. Et ça c'est pour rentrer. Hop. Mon petit Ilorium. Voilà. Je joue avec quelqu'un. Non. Ben, normalement il y a WAF et Mapper sur le serveur. J'avoue que c'est un moment que j'ai vu ni l'un ni l'autre. Après, là, vu qu'en ce moment je joue le matin, ma peur actuellement là, elle est 6h50 chez lui. Je peux comprendre qu'il soit pas connecté, tu vois, mais. Mais c'est quoi, attends, le anneau 117, c'est un nouvel anneau qu'ils ont annoncé? Un nouveau jeu anneau qui arrive? Hein. Anneau 117. Ouais, c'est le prochain jeu. Ok. Anneau 117, Pax Romana. Ah, mais du coup, c'est à l'ancienne, parce qu'autant le dernier anneau, c'était un truc un peu plus récent, là. Autant là, ouais. Bon, je regarderai ça après le stream, hein. J'ai pas des graines de graphite à poser en plus là? T'as nous les graines d'ailleurs. Bon, aluminium iron, je pense qu'on peut foutre ça à la poubelle. Voilà. Redstone lapis, j'en ai déjà ailleurs, donc en vrai juste ça, ça suffit. Elle est encore les poser, je pense que j'ai pris le tour après. Graphite, pareil, graphite, j'en ai pas assez en vrai. Voilà. Je suis parti pour jouer à Tomate Pack, il a l'air trop bien. Oui, il est sympa. Il est sympa, il est sympa. Il y a quelques petits trucs qui triggerent un petit peu, notamment quand t'as 15 variantes du même lin, enfin du lingot, du même minerai quoi, mais sinon il est cool. Et pourquoi il y a un L sur la carte, mais je suis con. Du coup, je voulais aller cuire du charbon, moi. On peut cuire des blocs de charbon pour avoir directement du graphite? Et des moi. Y a pas vraiment. Non, c'est juste un peu chiant quand tu fais automatisation, parce qu'au début tu peux te faire avoir sur certains trucs, tu vois. Bon, après, une fois que t'es habitué, ça va. Tranquille. Tiens, une camel de graphite de extrême rectoire. Ouais, le truc c'est que ce réacteur-là, je sais pas du tout comment le faire en fait. Dans le sens où sais pas s'il faut du refroidissement intérieur. Je vais essayer de le former tel quel sans rien. On verra bien. J'avoue qu'il y a le réacteur là, dès que t'arrives, bam dans la gueule, pas dingue. Hein. Pas dingue l'histoire là.
C'est Léopold Pro, qu'en as-tu? Mais ça, je le mets, mais j'en ai pas besoin en fait. Y a pas de fluide dans ce secteur. Wait a minute. Attendez un petit doute là. Eh, c'est le cyanide qui prend de la. Mais putain, il est... en fait, le cyanide il sort en liquide, ce con. Et... Ou alors peut-être qu'il faut une rod pour que je puisse config le bazar. Et à toi. Dans le doute, on va faire comme d'hab. Et puis, il adviendra que pourra. On va faire une petite ramp. L'argent nous passe, c'est privé. Ouais. Ok, ça marche, ça fonctionne. Très bien. Didi. Attends, mais attends, 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 là j'ai les rods. Il faut les contrôle rods aussi. J'ai pas automatisé là. Les rods, les rods, les rods, les rods. On s'en met en max? Non, je sais pas en vrai. Je pense que je vais faire en croix et en pas se faire chier. J'en mets juste 5 au milieu en vrai. Franchement, on va déjà voir sans refroidissement, sans rien, comment ça marche. Parce que là, le problème, c'est que j'ai pas de cryo. Le cryo, c'est quand même le moins chiant à poser. Pour être honnête. Putain, mais y a pas de cryo tout court en fait. Il explose le cryo. Putain. Moins chiant, c'est l'eau de Diams? J'avais pas la ref, mais on va faire ça. Hein. C'est vrai que j'ai jamais utilisé des blocs en refroidissement, donc on va mettre ça. Hein. Et vu l'heure, je sais pas si j'aurai le temps de lancer le truc. On va essayer de speeder le truc là, c'est déjà 13h. Mettre gold, diam, c'est graphite. Ok. Cher que ça les contrôle rods ou l'impression là. En vrai, c'est qu'un truc, c'est que dans cette nouvelle version, on sait pas comment ça marche les choses, donc on peut pas se dire que c'est telle ou telle chose qu'il nous faudra.
Oh merde, d'avoir Titan dans la main, je sais pas. Pareil, le Hang Glider, je pense qu'on peut s'en passer. Pense que depuis le temps. Qu'est-ce que ça? Bon, pour l'instant, on va faire la zob. On va prendre d'autres chests qu'on va venir remplir et vider. Mais après, on automatisera à distance avec Mr. Refined Storage. C'est bizarre, c'est qu'il se connecte pas en fait quand même. Via câble, ça marche pas, hein. Enfin, on peut au pire, hein. C'est qu'il y a une texture en étant connecté, tu vois, mais attends. Ouais, mais attends, est-ce que mon câble ça marche pas quand même maintenant? Maintenant que j'ai refait le bazar. Ok, si, ok. Bon, je vais laisser le coffre là-haut, écoutez. Ah, tu me diras en vrai, non, je vais mettre en bas. Je pense que c'est juste que vu qu'il était pas activé de base comme il fallait. Voilà. Il y a un monde où ici c'est pareil, vu qu'il était pas mis comme il fallait. Ouais, puis on passera par tout ce que PyVZ par contre, si ça merdouille à chaque fois, il faut reconnecter le truc ou autre. Ah, ça a l'air de produire quand même déjà un petit peu. Après, de toute façon, je veux que ça produise du. Surtout que ça produise du cyanide quoi. Le problème c'est qu'une fois que ça va être full en énergie, ça va plus produire grand chose. Et normalement on est d'accord que là si je mets une gate en ex en insert du coup, ça remplit mon réseau en réversible, en théorie. Après, mon réseau il est full mais ouais, ça baisse donc ça remplit le réseau. Ok. Main trash? Wow, ça a l'air d'aller en vrai là. Hein. Ça consomme donc cool. Ouais, pour l'instant, c'est pas mal, hein. De toute façon, avant que ça me vienne m'emmerde, j'ai le temps.
Faut dire en waste. Ah, en waste, on a déjà un quart de lingot. Voilà. Non, mais on va laisser tourner ça tranquillement. De toute façon, le cyanite, faut se dire qu'on a une graine. Donc en fait, là, le but, c'est juste ça tourne. Ça me chie ma graine. On n'en parle plus. Je vais me faire mon chunk loader et puis. Il sera très bien. Est-ce que le chunk loader, j'automatisais la grosse variance? Ouais. On va aller foutre ça là-haut, là. Mettre ça ici, là. Hop, on n'en parle plus. Voilà. Bon, bah, nickel, hein. Bon, bah, petit réacteur pour l'instant un peu dégueulasse, mais opérationnel. Moi, je veux juste qu'il me produise du cyanide pour l'instant. Après, on fera les reprocesseurs et tout. Et puis, voilà. Puis, de toute façon, après, à terme, on fera des plus gros réacteurs aussi. Hein. Mais là, il est même pas alimenté automatiquement et tout. La sortie, elle est pas. Enfin, bah, je capte ça avec, avec Refine Storage après, quoi. Pour que ce soit un peu plus clean. Hein. Donc, ouais. Donc, sur ce, les amis, écoutez, moi, je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Je vais aller manger. Et puis voilà, donc je vous remercie en tout cas d'avoir suivi, c'était bien cool. Je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable après-midi. Un bon appétit à ceux qui vont aller miam. Et puis on se donne rendez-vous. Alors là, attends, parce que le prochain live. Samedi? Samedi. Parce que demain je suis pas là. Donc normalement samedi matin, voilà, samedi matin, midi, pour la suite de l'aventure sur le modpack.